aujourd'hui, nouveau jeu de dés. Encore un jeu de dés, mais moi j'en ai toujours plein des jeux de dés parce que j'aime bien ça. Alors, Raging Bulls, donc on a des taureaux dans des champs et il faut séparer ces taureaux parce que c'est pas très une bonne idée en fait de regrouper des taureaux un petit peu enragés dans le même champ. Alors, on va être obligé de les séparer. Donc, ce jeu se joue en quatre phases. La première, nous aurons trois taureaux qui vont être dans ce champ-là, qu'il va falloir séparer les uns des autres. Ici, nous en aurons quatre, ici, nous en aurons cinq et nous en aurons six. Voilà, donc il va falloir, nous avons des piquets autour de ce champ pour faire des clôtures, pour séparer les taureaux les uns des autres. Alors comment est-ce qu'on commence à jouer? Directement, je vais vous expliquer les règles au fur et à mesure. Donc on a deux dés, le dé vert ce sera les lignes et le rouge les colonnes. On va placer nos trois taureaux dans le premier champ. Alors, j'ai dit les verts, c'est les lignes, donc sur le 3 et la colonne 6. Donc, je vais avoir un taureau ici. J'espère que vous allez voir à peu près. Oui, j'espère. Voilà, ici. Ensuite, on recommence la même opération pour le deuxième. Sur la ligne 3 et 1. Ça va très bien. Super. C'est pas très une bonne idée, mais bon. Et le troisième, il va être sur le 4, 4. Ok. Il est là. Donc, nous allons devoir les séparer en tirant des traits avec. Alors, donc, ces deux dés-là, on va les mettre de côté. On va avoir 3 dés. On en choisira, on va lancer les 3. On en choisira 2 pour rejoindre les piquets de la clôture et les enfermer. J'ai une petite règle hein, pour que ça soit plus joli. Donc, l'idée, c'est de les entourer complètement. Donc, il va falloir venir passer derrière ici parce qu'il faut les enfermer complètement. On ne peut pas juste, juste faire ça. Il faut aussi fermer derrière. Et puis, bien évidemment, au bout d'un moment, on ne pourra plus rien faire. Donc, il faudra décider si on passe ou pas. Donc, à chaque fois, on va noter des scores pour les taureaux qu'on aura réussi à isoler, plus un point par piquet non utilisé, d'où l'intérêt de le faire rapidement, parce que plus on aura de piquets inutilisés, plus on aura de points. Si on est coincé, qu'on ne peut rien faire, mais qu'on ne veut pas abandonner, parce que abandonner, ça veut dire comptabiliser uniquement les taureaux qui sont isolés et ne pas compter les piquets inutilisés. Donc, ça fait perdre quand même pas mal de points. Donc, abandonner avant la fin, c'est un peu embêtant. Sauf que parfois, on va être un peu coincé. Et quand on est coincé, on peut passer notre tour en cochant un maillet ici. Mais on n'en a que 3 pour toute la partie. Donc, il faut qu'on essaye de ne pas les utiliser le moins possible. Et voilà, toute la partie est là. Que vous dire d'autre? Quand on va avoir une paire, eh bien, chaque piquet ne peut être utilisé qu'une seule fois. C'est-à-dire que je ne peux pas faire partir une clôture 3 ou 4 fois du même point, du même piquet. Donc, chaque piquet n'est utilisé qu'une seule fois, sauf quand on fait une paire. Et dans ce cas-là, on peut réutiliser une deuxième fois le piquet concerné. Si j'ai une paire de 6, ben, je vais pouvoir, et qu'un 6 est déjà utilisé, je vais pouvoir le réutiliser. J'utilise en fait le troisième dé, c'est-à-dire que si j'avais 2 6 par exemple, et bien le troisième dé servirait pour rejoindre ce 6 vers le 2 par exemple. On peut aussi avoir des triples et le triple permet de rejoindre par exemple 2 6. Enfin, si j'ai 3 6 par exemple, ben évidemment, là je vais pouvoir rejoindre 2 6 même s'ils ils ont déjà été utilisés. Donc les triples, c'est intéressant. On ne peut évidemment pas faire relier deux points, deux piquets qui sont sur la même ligne. Il faut forcément aller sur une autre ligne. Et puis, ben voilà à peu près toutes les règles. Hein. Ce n'est pas forcément très compliqué. Ce qui est compliqué, c'est d'isoler les taureaux. Alors donc on y va. Et c'est parti. On va lancer des dés. Ça va, non, des 5. Un 5 et 2, 4. Alors, un 5 et 2, 4. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec un 5 et 2, 4? Eh bien, pas grand-chose. Alors, est-ce que je peux commencer? Alors, on ne peut pas non plus faire passer une clôture par un taureau, évidemment. On ne traverse pas les taureaux avec nos clôtures. Donc, 5, 4. Ici, est-ce que je peux faire un 5, 4? Oui, je pourrais passer au-dessus puis fermer. Je vais faire ça. Donc, je vais déjà commencer par fermer ce coin-là. Alors, il y a certains, vous verrez peut-être mieux hein, que ce que je propose, évidemment, mais bon, voilà. Donc, on va dire qu'on va faire ça, hop.
Et puis, on continue. Alors, 2, 3 et 1. Alors, 2, 3 et 1, c'est pas terrible. Le 3 et 1, ça me permettrait ici de fermer le haut. Ouais, on va faire ça. Donc 3 et 1, hop là. Bon, vous voyez que ça va aller assez vite hein, l'utilisation des piquets. Et à un moment donné, donc là, il va falloir. Là, mon problème, c'est qu'il faudrait que. Il faut que je coupe là. 3, 4, 4. Alors, le 3 et le 4. Vous voyez, ici, le 3 et le 4, je ne peux. Ah, si je pourrais, mais ça ne m'arrange pas, ça va passer au-dessus. Ouais. 3, 4. Si je fais ici, ça ne m'arrange pas non plus parce qu'il faut que je puisse fermer ici. 3, 4 ici, ça, je peux pas parce que le 4 est déjà utilisé. Ah si, j'ai un double 4. Ah, bougez pas, j'ai un double 4. On va fermer ici. J'ai un double 4 qui me permet de poser une deuxième clôture sur un piquet. Il ouais, faut que je regarde ce que j'ai comme dé quand même, ça serait pas plus mal. Ensuite, un double 5 et 6, mais j'ai pas de 5 de prix si j'en ai un là-haut. Alors, est-ce que je peux repartir du 5 pour aller faire un 6 ? Si je fais ça, celui-ci va être fermé. Ça pourrait être bien. Repartir du 5 ici pour fermer. On va faire ça. Donc j'en ai un qui est enfermé. Déjà. Bon, voilà. Celui-là, il ne bougera plus. Je pouvais réutiliser mon 5 puisque j'avais un double. Alors maintenant, il faut que je ferme ici et là. Donc. Il me faudrait un 4-4 par exemple, ça serait cool. Ou un 4. Non, ça sera 1 et 2. Bon, mais c'est pas grave, le 1 et le 2, j'ai un double 1. Donc je pourrais éventuellement faire. Non, je vais faire ça. Bon, ça va pas suffire peut-être, mais bon. Je vais faire un 2-1 ici. Ah ouais. Bon, ça, ça va pas finir. Ça suffira pas, mais bon. 1-2-1. Ok. Et un double 6-2. Le double 6, ça m'intéresse parce que je peux faire 6-6. Parce que sinon, un 2-6 ici, ça me permettrait de fermer là. Oh non, je vais faire le 2-6 ici. Ah mais non, parce que j'ai pas un double 2. Non, je vais faire un 6-6. Il n'y a rien qui m'en empêche, je pense. Donc, je peux faire ça. Et là, il me faut un 2-4 ou un 3. Là, un 2-4, ça serait bien. Ou un 1-4, ça serait bien. Pour terminer. Allez, qu'est-ce que j'ai? 1, 5 et 6. Alors, est-ce que un 1... Ouf, non, ça marche pas. Si, ça... Oh, attendez. Attendez, bougez pas. 1, 5 et 6. Donc, si je pars de ce 1, ou non, mais je peux pas parce qu'il y a déjà un 1. Celui-là, si je fais 1 et 5, ça marche. Oui, regardez, c'est magique. C'est magique. Je fais 1, 5. Mes 3 taureaux sont séparés complètement. Et donc, j'ai terminé mon premier niveau. J'ai donc isolé 3 taureaux et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, plus 12, ce qui me fait 21 points au premier niveau. Voilà. Donc, on vient de faire le premier niveau de Raging Bulls. Et maintenant, on va faire le second. Ok. Donc, il faut que je place mes 4 taureaux. Alors, sur le 2, 4. 2, 4. Ok. 3, 4. 3, 4. Mais ça va être facile, ça, je le sens. J'en ai encore 2 à placer. 2, 3. Oh, mais non! Ils sont tous au même endroit. Oh là là! Et 6, 2. 6, la ligne et la colonne 2. Eh bien, dites-moi, comment allons-nous faire? Bon, j'ai pas utilisé de maillet pour l'instant, donc c'est bon. Allez, c'est parti!
Alors, j'ai un 4 et un 3 et ça tombe bien parce que j'aimerais bien déjà commencer par passer là, un 4 et un 3 pour couper ici, séparer déjà ceux-là entre eux. Ça serait cool. Voilà. Après, ça serait bien si j'avais un 2 et un 3 pour couper l'autre dans l'autre sens. On va voir. C'est parti. Hein? J'ai un double 1 et un 4. Alors, un double 1. Un double 1 et un 4. Qu'est-ce que je peux faire avec un double 1 et un 4? Est-ce que je peux faire ça, un 4? On va faire ça. Ça passe. Je ne touche pas les taureaux. Non. Je ne touche pas les taureaux. Bon, ces trois-là sont déjà séparés les uns des autres. Bon, après, il faut finir. Il faut fermer derrière. Mais bon, c'est déjà ça. Ensuite, 6, 3 et 1. Alors, on va faire un 6 et un 3. Allez, faisons ça. On verra après ce qui se passera. Donc, j'en ai déjà un qui est enfermé. Ok. Il me faudrait un 5 et un 4 ou un truc comme ça serait bien. J'ai un double 6 et un 1. Un double 6 et un 1. Double 6, ça veut dire que je peux réutiliser ça. Ça m'arrange pas là. Un 6 et un 1. Est-ce que je peux venir? Oh oui, ça va le faire. Hein. Est-ce que 6, 1, ça, je passe ou bien est-ce que je touche? Non, je passe sur un taureau. Je passe sur un taureau. Ben, ouais, à peine. Oh, j'en sais rien. Je suis pas sûre que ça passe sur le taureau quand même. Non, non, ça passe à côté, hein. Ouais, mais ça m'arrange pas trop. Et si je fais un 6-1 par là, ça fait quoi? Ça m'arrange pas non plus. Et là, le 6-1 ici, est-ce qu'il m'arrange? Le 6-1 ici m'arrangerait mieux parce que je vais pouvoir enfermer le deuxième. Ouais. Et ça passe normalement. Le 6-1, il passe ici. Ok, j'en ai deux d'enfermés. Très bien. Ensuite, 6-3-4. Ah, je peux pas le 4, zut. Le 3-6 ici pour enfermer celui-ci. Ah non, je peux pas parce que j'ai. Non, le 6-4. Le 6-4 ici pour fermer celui-là. Voilà, donc j'en ai 3. Celui-là est enfermé, celui-là est enfermé. Il ne reste plus que celui-ci. Là, il me faudrait un 3-3 ou un 3-2 ou un 3-1. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un 3-5-6. Ça peut le faire avec le 5. Un 3-5, ça le fait. Et donc, ils sont tous enfermés, je pense. Celui-ci est enfermé, celui-ci, celui-ci, celui-ci. C'est bon. Donc, j'en ai 4. Donc, et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Non, 13, ça va là. 16, ça fait 29 points. Ok, troisième tour. Là, on passe à 5. Alors, 2 et 5. 1 et 2. 1 et 1. Très bien. Super. Super facile. 5 et 4. Et le dernier, 4 et 4. Ok. Ok. Parti pour le troisième tour. Alors, 2, 4 et 6. Le 4 et 6, non. 4 et 2. Faut que j'essaye de laisser ici ceux-là libres parce que sinon je ne vais pas pouvoir les enfermer. Donc les 1 et les 2, il ne faudrait pas que je les utilise dans ce coin. Donc 4 et 6. 4 et 6, ben on peut peut-être essayer de couper comme ça en travers. Allez, allons-y. De toute façon, il faut y aller, hein. De toute façon, il faut y aller, hein. 1, 2, 3. Ah ben ça tombe bien. J'avais besoin d'un 1, 2 ici. Pour commencer à clôturer dans ce coin. Donc très bien. 1, 4, 5. Ah ben vous ne voyez pas les dés.
1, 4, 5. Je peux... est-ce que je peux fermer ici avec le 1, 5? Ça serait peut-être pas bête. Le 1, 5 ici, il fait quoi? Il sépare ceux-là. Ouais. Là, je peux pas parce que le 1 est déjà occupé. Je vais faire le 1, 5 ici. Ou le 1, 4. Est-ce que c'est mieux le 1, 4? Non, on va prendre le 1, 5. On va faire 1, 5 ici. Un double 3 et 6. Le 6 et le 3, ça marche pas. Si, ça peut marcher. Non, ça va... Ah, si, ça me les sépare les deux, là. Ok. On va faire ça. On va séparer ces deux-là. Ok. Ensuite, 2, un double 4. Un 2, 4. Si je fais 2, 4 ici, ça peut le faire. Non, parce que j'ai pas un double 2. Et là, si je fais un 2, 4, ça fait quoi? Je peux pas parce que je traverse un taureau. Je traverse un taureau et je ne peux pas traverser des taureaux. Et là, si je fais 2, 4, oui, je vais faire ça. Ici, ça me fait, comme j'ai un double 4, je peux monter ici sur celui-ci. Et ça m'enferme ces deux. Ah, cool! Ouais, j'espère que je ne fais pas trop d'erreurs. Hein. Enfin bon, un double 3 et un 1. Un double 3 et un 1. Ah ben 3 et 1, est-ce que je peux faire 3 et 1 pour enfermer celui-ci? Oui, je peux. Donc on va faire ça. On va pas utiliser le double, mais c'est pas grave. Voilà, ça je suis en train d'enfermer celui-là. Ok. Oh oui, mais là, oh là là, c'était pas une bonne idée. Bon, trop tard. Trop tard. 2, 3, 4. Alors, 2, 3, 4. 4. 2, 3, 4. Comment je vais faire ici? Est-ce que je peux faire... Mais non, le 2, il me faut un double. Je peux pas. 3, 4. 3, 4. Je peux. Mais comment je vais les séparer ceux-là après? Je peux plus. Et là, le 3, 2, par contre, je peux faire ça. Ça va pas me résoudre mon problème d'ici. Hein. Ah bon, je vais quand même faire ça. Oh là là, non, ça ne va pas. Hein. Je suis un peu coincée quand même là. Je suis un peu coincée. Oh, je vais faire ça. Là, j'avoue que je vais être bien vite limitée si je ne fais pas de double. Parce que là, il n'est pas enfermé celui-là. Il faudrait que je puisse couper ici un 6-4 ou un truc comme ça. Ou un 5-4. Un 5-4 ou un 6-4. Non, j'ai 1-3-4. Le 1-3. Le 1-3. Est-ce qu'il me fait quelque chose? Non. Le 1-3 ici, il ferme, mais ça ne m'arrange pas. Le 1-3. Ici. 3-1. Ah, là, le 3-1 me ferme celui-ci. Donc, je fais 3-1. Et j'enferme celui-ci. Donc, j'en ai 3 d'enfermer. Mais là... 1-1-1. 1, 4 et 5. Alors, le 4 et 5, je pourrais faire ça. Le 5 et 4, je ne peux pas. Le 5 et 4, ici, ça ne m'arrange pas. Ça va être compliqué. Le 4 et 5 ici pour fermer par là. Ça me bloque. Ça me bloque pour la suite. On va faire 5, 4 ici. Il ne va pas me rester de piquet. Hein. Là, c'est plus compliqué. 1, 2. Ah, j'ai un double 2. Un double 2 et un 1. Donc, je pourrais utiliser ce 2-là pour venir là. Mais non, c'était un double 1 qu'il me fallait. Ah non, ici. Ben non, parce qu'il me faut, il faudrait un double 1, un double 2. Je ne peux pas avoir un double 1, un double 2. Ici, le 2.
pense que je peux utiliser celui-ci en double parce que j'ai le 2. Ah oui, mais non, je vais pas pouvoir faire un 2-2 parce que là, il est déjà utilisé pour faire ça. 2-1, eh ben, je ne sais pas faire. Là, je pense que je ne sais pas faire. Parce que il y a ce 2-là qui est libre. Mais je n'ai pas un autre 2 dispo. Celui-ci, il me faut un double pour le prendre. Et j'ai un 1. Donc, je vais être obligée de passer. Donc, je vais utiliser un maillet. Et puis, est-ce qu'il ne va pas être temps d'abandonner? Peut-être. Si j'ai un double 2, un 4, ça peut le faire. Un double 2, oh, pff, non, je pense que c'est mort. Attendez, bougez pas. Est-ce que je réessaye encore ou est-ce que j'abandonne? Il me faudrait quoi, en fait, pour séparer celui-là? Pour séparer celui-là, il me faudrait un 2 et un double 3. Et encore, ça ne serait pas fermé. Lui, il me faudrait... ça ne marchera pas non plus. Il me faudrait un double 3, un 5 pour faire ça, éventuellement. Bon, vas-y, on essaye un tour. Un double 3. Il me faut des doubles. Si j'ai pas de double, j'abandonne après. Ah, j'ai un double 6 et un 1. J'ai un double 6 et un 1. Sauf que les 1, ils sont tous occupés. Donc, je ne peux pas. Et je pourrais joindre 2 6 qui ne sont pas pris. Je pourrais prendre ces deux-là, mais ça m'avance à rien. Enfin, de toute façon, je vais le faire. Et puis, je vais arrêter là. Je vais arrêter là parce que il me faudrait vraiment des doubles en pagaille là et je pourrais pas finir de toute façon. Donc je vais considérer que dans ce tour là je n'ai enfermé que 3. Et donc dans ce cas là on ne compte pas les piquets inutilisés, donc j'ai 15 points, ce qui n'est pas bien du tout, mais voilà, à un moment donné il faut savoir s'arrêter parce que les maillets ils valent quand même 3 points chaque, donc bon, on va arrêter là et on va essayer le dernier niveau. Avec un 3 et un 6, ok, un 6 et un 4, 2, un 5 et un 2, ok, un 3 et un 4, il m'en reste encore 2 à placer, un 4 et un 3, et encore un à placer, un 2 et un 6, ici. Allez! Dernier tour, dernière partie. On est parti. Un double 2, un 5. Donc 2 et 5. Alors, 2 et 5. Il faut que je nettoie ma règle parce qu'il y a du feutre dessus. Alors, 2 et 5. Est-ce que 2 et 5, ça le fait? Voyons voir. 2 et 5. Alors, 2 et 5, je peux faire quoi? Je peux séparer ces deux-là. Est-ce que ça passe? Oui. 2 et 5 me séparent ces 3-là des 3 autres. Peut-être faire ça. Allez, on va déjà séparer en deux groupes. Ok. 1, 5 et 6. Alors, 1, 5. Est-ce que si je fais 1, 5, ça va me fermer ici? Oui. Donc, on va fermer ici. Essayez de fermer d'abord le tour. C'est pas forcément évident. Ensuite, un double 3 et 5. D'accord. Donc 3 et 5, on va essayer de fermer. Est-ce que je peux encore fermer là? Ou est-ce que je commence à fermer là? Je vais fermer là, ça me ferme un grand bout. Donc ça, c'est cool. 3, 5, ça me ferme un grand bout. Ok. Ensuite, 3, 4 et 6. 3, 4, non, 4, 3. Est-ce que 4, 3, ça me fait quelque chose? Ça me fait passer sur un taureau. Donc, ça ne marche pas. 1, 6, 4, non. 3, 4, ici, ça ne me ferme pas là. Je vais faire un 3, 4 ici, en espérant pouvoir fermer après. J'essaye de circonscrire le périmètre. Ok. 2, 4, 5. 2, 5, non, pas 5. Alors en haut. Qu'est-ce que je peux faire? Oh, qu'est-ce que je peux faire? Le 5, je peux pas. Le 4 avec ce 2 là. Ah oui, je vais en enfermer un là. Ok.
Ok. 2, 4. Il y en a un d'enfermé. Oh, c'était pas ça qu'il fallait que je fasse. Trop tard. 1, 2, 5. Je vois qu'après. 1, 2, 5. Hmm. 2, 5. Est-ce que ça passe par un taureau, le 2, 5? Non, je crois pas. Je ne crois pas. Le 2, 5, est-ce qu'il passe par un taureau? 2, 5. Il ne touche pas celui-là. Il ne touche pas celui-là. Donc, on va faire ça. Ok. Celui-là est enfermé. Hmm. 5, 5 et 1. Alors, si je fais 5 et 1 ici, ça ne m'arrange pas. Si je fais 5 et 1 ici, ça ne me sert à rien. 5, là, je ne peux pas parce que le 1 est déjà pris. 5, 1 ici, ça ne m'arrange pas. Et là, un 5. Mais non, lui, il est en dehors. Il faudrait un 6. Ah ! Un 5, je ne peux pas. 5, 5, 1 ici, mais ça ne me sert à rien. Bon, je vais faire ça quand même parce que... Ça me sert à rien et je ne veux pas utiliser les maillets. Allez, un double 1 et un 2. Un double 1 et un 2. Alors, est-ce que... Oui, un double 1 et un 2. Ça me permet de fermer ici. Ouais, cool. Un double 1 et un 2. Ça va me permettre de fermer là. Ok. Ok. Bon, ceux-là, il faudrait les séparer, je ne sais pas comment. Hein. Mais bon, continuons. Un double 1 et un 5. J'ai plus de 5 de disponibles. J'ai plus de 5 de disponibles. Bah, je suis obligée d'utiliser un maillet, hein, parce que je ne veux pas m'arrêter là quand même. Je voudrais bien essayer d'aller plus loin. Je suis coincée, je ne peux pas utiliser de 5. Ils sont tous pris, je crois. Oui, ils sont tous utilisés au moins une fois. Donc, je suis coincée. Donc, je suis obligée d'utiliser un maillet. Donc, utiliser de 5. 2, 3. Donc, je ne peux pas utiliser de 5. 1, 2, 1, 3. Donc, là, j'ai un 3. Oh, mais je suis coincée. Je suis coincée, quoi. Mes 2, j'en ai que 3. Non, mais je suis coincée encore. Parce que je ne peux pas utiliser les 5. J'ai un 3. Mais les deux sont occupés aussi. Donc, je vais utiliser mon dernier maillet, tant pis. Et puis, tenter un dernier coup. Bon, pas terrible cette partie, mais bon, ça vous donne quand même une idée. 3, 4, 6. Alors, si je pense qu'avec le 3, 4, je vais pouvoir faire deux coups quand même. Alors, attends. Le 4, 6, non. Le 3, 4, ici, est-ce que je peux? Est-ce que le 3, 4, ça passe sur le taureau ou pas? 3, 4, ça passe sur le taureau. Et ce 3-4 là, il passe pas sur le taureau, mais il me sert à rien. Ah zut! Ah, je croyais que j'allais faire un coup là, mais je peux pas. Je pensais que j'allais pouvoir passer ici. Et avec mon 3-4, couper en deux ces deux là. Enfin, couper le champ en deux. Mais je ne peux pas parce qu'en fait, la ligne passe sur un taureau. Le 3-6. Ah non, mais je peux faire 3-6. Oh, je peux faire 3-6. Bien joué! Et j'en ai 1, 2, 3. J'en ai 1, 2, 3. Ah oui, si tous les maillets sont utilisés d'ailleurs, le jeu s'arrête après. Donc ben voilà, le jeu s'arrête. Ok. J'ai peut-être même joué un tour de trop. Parce que normalement, voilà, même si je lisais bien les règles du jeu, normalement, quand les 3 sont utilisés, le jeu s'arrête. Donc j'ai peut-être même fait un tour de plus que j'aurais dû. Mais bon, normalement, ça s'arrête au tour d'après. Que vous cochez le troisième maillet. Et au tour d'après, ça s'arrête. Donc, je ne sais pas, je regarderai sur la vidéo, mais normalement, j'ai peut-être joué un tour de trop. Enfin bon, donc on en a quand même isolé 1, 2, 3, c'est tout. Donc, ça me fait 18 points. Donc, évidemment, là, je n'ai rien. Et donc, ça me fait un total de 15, 23, 2, 4, 6, 7, 8, de 83 points. Voilà! Et donc, l'idée, c'est de battre son propre record. J'ai déjà réussi à aller plus haut que 83. C'est pas un de mes meilleurs scores. Mais voilà, vous avez vu Raging Bulls. Et puis, avec le petit complément de règle à la fin que je ne vous avais pas dit et que j'avais oublié, qui concerne les trois maillets. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, je l'aime bien, ce petit jeu de Raging Bulls. Vous prenez encore 3D, un bout de papier et hop,
vous vous amusez. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau jeu. Comme d'habitude, à bientôt, bye bye.